pas en vérité une bonne voix pour chanter. Oui, mais je fais vraiment naturellement. Un grand merci à la chorale du Bois Joli. Toi aussi, un jour, Pierre-Jean Bernard, tu feras partie de la chorale. Attendez, laissez, je vais vous le mettre, le micro. Voilà. Alors, encore une petite chose avant de pouvoir aller vous servir au buffet offert par la paroisse. Monsieur le député maire Léden va nous faire un petit discours. Enfin, malheureusement, il n'est pas encore arrivé. Calmez-vous, les enfants. En attendant, je vais vous parler de mon arrivée dans cette paroisse il y a déjà 25 ans. La première personne que j'ai confessée m'a fait douter. Elle m'a confié avoir trompé son épouse avec la voisine, ainsi qu'avec la femme de son supérieur. Elle m'a confié aussi une chose très dure. Elle a vendu de la drogue à des enfants. Et encore pire, elle a transmis une maladie vénérienne à sa propre sœur. Oh ! J'étais atterré et même apeuré. Mais grâce au Seigneur et avec le temps, j'ai rencontré des personnes formidables, des familles respectueuses avec de très belles valeurs. Et c'est ainsi que j'ai passé les plus belles années de ma vie. Merci pour cette ovation. Je suis ravi d'être parmi vous. Et je tiens vraiment à m'excuser de ce retard. J'étais occupé. Je vous rassure, je ne serai pas long. Et tout de suite après, nous pourrons nous rendre au buffet pour boire un verre de l'amitié. Je suis particulièrement heureux d'être ici aujourd'hui pour rendre hommage à Monsieur le curé. Il y a de cela 25 ans, j'ai été la première personne à me confesser. Et... Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ?